Je vous espère bien portant et en bonne santé. Bon début de semaine, Michiganyon Sobozwami. Namabo Tanabino, bonjour Ibakwa Kolanda, Congo Buzz Télévision, Namoko Nalelo, Mbote, Mbote, Peboye, Bola Palangani, Namokili Mobimba, Bana Ecole au Congo, ba compatriotes congolais, Boye Bola Mou, Eshika Wapi, Tosola Kamayi, Matali Bongo, République démocratique du Congo, le Lengeni Nikosala, Makasi, Pona Kosala, Mboka, Nabi. Biso e kende liboso na ebike boza liboso ba etando ikie na bino kolanda biso boza mingi mingi lisusu koleka ebele na nzela ya page Facebook tope na nzela ya YouTube mbote matondo mingi na confiance pe fidélité na bino na émission na bino opo na Congo ya lelo ebandi boye ba ke tongo ya lelo ministre ya enseignement primaire secondaire et technique professeur Tony Mwaba Kazadi a kosa la lancement officiel ya Wuta Institut technique professionnel nama Garebo na territoire ya Katamda na Mbujimayi ya chef lié ya Kasai oriental ezali bongo lancement officiel ya ba preuve ya examen d'état o ezali kosa lema sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo Torozong et la Bino na ba chiffre mikolo ezali koya atope na ba R ezali koya kasibo e ba ke motango moko ya 10% e ba kisami kolanda ane oyo e uti ko leka. Président Félix Tshisekedi a déploré dimanche dernier lors ya discours na yo a salaki na célébration ya meso yo azwa ki par kuna na Mbuji Mayi a zali bongo ko constater ba dérive au sein ya église catholique ko pona ye église catholique ko tope église sengele zala au milieu du village au milieu de congolais car notre stabilité il va de tope ezali bongo car il va de notre stabilité, topé stabilité de notre pays. Et le baki bongo tata Mokambi, ya ekolo nabiso, process électoral, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, favorable à la rencontre entre l'opposition et la CENI. Wanezali bongo annonce, et pesamaki lobby, l'heure ya meeting na bango, wapisika Martin Fayulu Azalaki, a yoka kimbela, ya président Denis Kadima, kasibwe bak FCC, bongo, il y a Joseph Kabila Bazali ko s'opposer na yango bango balingi préalablement récomposition ya bureau de la CENI process électoral toyebi ke outa lelo le 26 juin bureau de réception tope ba bureau de réception ya ba traitement des candidatures réseau fongwama et kozala opérationnel bongo na bantaine nyonso ya CENI au total 171 bureaux seront ouverts na baimbo kapona yamba ba candidature ya ba indépendant pe ya ba parti politique le sousou ya ba regroupement ba ye o balingi ba participer bongo na maponomi o ekosa le 20 décembre prochain meeting de l'opposition Moïse Katumbi Denis Essanga et Matata Ponyo absent bango ba se faire ba zala ki bongo représenté na ba secrétaire général na bango seul Martin Fayulu a communiqué ki na population lobby, est-ce une communication? Est-ce que bloqué à Lubumbashi et comme bongo ko se fragilisé toko meka robeta lisolo yango lelo kasi toko zongela pe na Monzindo discours ya Mokambi ya ekolo tata Félix Tshisekedi lobby eleki na Mbujimayi pe toko zongela likambo etali bongo maponomi po na kati ya discours na ye président ya CENI atalisaki pe likambo etali ba contrainte entre autres ba contrainte ya mon solo est-ce que qu'est-ce qui va se passer awa bayi opposition bandimi na bango ko kende pe ko solo na mokambi ya senye ko kozala moko
Il y a pas porte pour tout qu'on est quand même dans l'élection au Bayimbo Kanyan soit pas causé là d'accord malgré que FCC a boy tout le bel à Congo mokona lelo tous ali bongo na mon amboka trésor kalala il y a alliance pour les actions de développement du Congo yambo on décomposition position à région Kabiso il y a qui déjà coupé ça mon amboka mbote pe boye bola na manaka ya pona Congo lelo mbote mingi madame Naomi mbote na balandi myonso. Membre et à parti politique Nanga, Alliance pour les actions du développement du Congo. Oui, Madame Adèle Kadena, et Longona, secrétaire général, Maître Eloy Koupa. Nabanzi que tu peux dire ça en Gungamalamo Awa, et que les téléspectateurs, oui, Bazolanda Bissonandaku, parce que ça l'a vraiment édifié à niveau agribal ou trop ça. Très bien, merci beaucoup. Toujours on dirait que Bantana à Congo Buzz Télévision, tu évites bande de opposition, bah les canines à Pongi après meeting, tu évites mais toujours banda déjà, bah quoi qu'on rejoindre à Bishokour de le mission de séjour chef de l'État à Solola Kilobi et les Kinawe et Talibongo, Likambo Yaba dérive, Oyo Saint-Lô, Tata Mokondi Eko, la zone constatée, na l'église catholique, vous pensez que l'église catholique, Azali au milieu du village, te Kazali Kosala Mosala Naye, Lolenge Longo Banite, Nengini Penza, Yo Analizaki, discours Wana, parce que Sali Mouatole sur la place. Merci beaucoup, Madame Naomi. Au moni article 69, ils ont garanti na mokonzi mboka ba privilège ebele. Il est le garant de la nation et même du bon fonctionnement des institutions. Donc il est l'incarnation il y a peuple congolais, c'est lui qui nous représente. Alors ce qui a moni que ba dérive et koti na ba domaine moroboye, il est de son droit que à ramener ba tout à l'ordre et c'est notamment vous constatez que ces derniers temps, l'église catholique, bon, je ne peux pas dire l'église catholique, mais plus particulièrement, M. Ambongo, a koti na dérive moko yamakasi au point qu'il risque même de diviser la nation congolaise. Quand nous avons Yamboka lobby, l'église doit être au milieu du village. Mais vous constatez que Ndeko Ambongo a suivi déjà position. Le cardinal Ambongo quand même, moi, Ambongo. Bon, monsieur Ambongo, parce que moi, j'avais déjà... Bon, ça change quoi? Moi j'ai toujours dit que je l'appelle monsieur. Pourquoi? Parce que, Ngana Lingrakuto, à l'ongolande Soutan Naye, à côté à parti politique, ou carrément, à ça la partie politique Naye. Parce que nous n'avons pas affaire à un cardinal, nous avons affaire à un politicien. Et s'il faut aller plus loin, à un opposant. Au Komonake, Ndeko Asi a poni kanaye et puis visiblement sans gêne. On a eu des cardinaux ici, basaki na ba valeur, tozaki na ba maloula, tozaki na Mosengo. Mosengo abandaki ko se prononcer. Voilà. Écoutez, Mosengo, regardez la manière dont Mosengo a combattu ki régime wana. C'était avec manière, c'était avec la hauteur, avec pudeur et respect. C'est quoi la différence? Tu n'as pas vu Mosengo tout le temps avec un opposant, avec la femme de l'opposant, avec des attouchements. Oh. Non. Au commandant Ambongo, tout le temps, Azana na Olive. Vous parlez de madame Olive. Mais écoutez. Aza servant catholique. Oui, mais. Le cardinal écoutez, cette proximité-là. Ça dérange? Mais ça dérange. Écoutez, c'est un pasteur. Un peu de pudeur. Comment le commandant moi, si à Moutouna, moi, moko autant de fois? En l'absence de son mari, à tout moment, tu dois la recevoir, que vous deux, et quand vous sortez, il faut voir les accolades, ce sont des attouchements. Donc, ça frise un peu de l'immoralité. Il n'y a pas de pudeur. Pourquoi ça dérange? Mais ça dérange parce que lui, il doit rester pasteur. Il ne doit pas se comporter comme tout le monde. Il doit prendre de la hauteur comme Mosengo. Mosengo a combattu Kabila, mais avec manière. Avec charisme, respect et considération. Mais ma kambo ambonga bandi ko sala, tu sens mutoazo transpirer haine. Ne longinae contre un individu. Soit bino ba ya pouvoir ya lelo ne bozo koka contradiction te parce que toi ina ba mbula eleki belé église catholique moko bozo lobeleza kina bino. Yango na lobi église catholique ezala ki na peuple et mutoazala ki à la tête nango façon lolenge ne ya ko sala. Et que c'est na lolenge ya oyazali sikoyo nengazo sala. Ça n'a pas de sens que yo na ba messe nyonso. O sala kakaka, do ba messe et se transformer na ba matinée politique.
Il a transformé toutes ses messes en matinée politique. Que les médiocres dégagent. Voilà, Mosengo a petite déclaration. Et puis, effectivement, Batouana Bazalaki, médiocre, et puis peuple s'emballait, et puis les médiocres ont réellement dégagé. Toi, tu as vu combien de fois Mosengo avec la femme de Félix? Combien de fois? Tu ne verras pas ça. Tu as vu Mosengo avec la femme de Martin ou de Diongo. Tu ne verras pas ça. Mais Mosengo, il y a le mari qui est là. Il ne sait pas à Kachamata ou toi, à tout moment. Il faut obéir à moi si wana bon coup la rabino mi balé après bon simba la ka devant ma caméra, c'est pas propre. Au-delà même, non, au-delà il y a ça, bas discours. Il y a comment? Il y a monsieur Ambongo, ils ont frisé déjà prise de position. Tout le temps il est à Kachobwe. Même pour inaugurer une chapelle privée. Il faut que monsieur se déplace et quand il se déplace là, il faut yo ka bas discours. Donc lui Son travail, c'est de diviser les gens. Mais quand il dit que c'est alors le président de la République en tant que garant de la nation, il doit prendre les responsabilités. Quand il dit que la population doit souffrir na corps na âme na ngo, est-ce qu'il y a aussi? Parce que aza mukambi aza berger aza na population à tout moment, est-ce qu'il y a aussi? OK. Est-ce que à qui peut qu'on reconnaître ba réalisation oyo mokonzi mboka azo sala de par le pays? Comment il ne peut pas encourager ba pas netia ba production et il peut encourager ce genre d'action. Pourquoi il ne peut pas encourager l'action et Totongi usine, il y a raffinerie, il y a cobalt, na Kolwezi. Comment il ne peut pas encourager ce genre d'action? Comment il ne peut pas encourager l'action et aujourd'hui, Kishasa, c'est un chantier. On construit les routes partout, les hôpitaux, les ponts, les bâtiments naissent. Mais il ne peut pas, lui ne peut pas voir ça. Yé côté na yé amoni, il faut kaka na ba messe nyonso et se transformer en matinée politique. Ayambaka olive, akenda kakatanga, amonak. Non, là c'est ça frise une certaine division et le chef de l'État, il a dit, il ne va plus tolérer cette fois-ci en tant que garant de la nation. Il s'attend à quoi? Attends, en zolo bak église faut aller au milieu du village. Non mais église, voilà, église est au milieu du village, c'est que ceux qui m'a bézali, église est dénoncée. Okay. Ceux qui m'a ezali, église peut et se prononcer sur malamouana. Yo cause à la tête que yo mon ara mabé pendant que batubazo mon a que non, il y a effectivement un changement. Tala makambozo le cas par exemple na est. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a certains territoires qui sont sous occupation, il y a force régionale, mais il n'y a plus de tueries tolobanetika à Bulagala comme avant. C'est quand même avancé. Makambona, il y a quoi soulever doigté. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de se prononcer, plutôt, la délégation des experts des Nations Unies vient de se prononcer en doigtant clairement le Rwanda Kayemutu a activé par groupes armés. Par l'entremise, il y a James Kabarebe. Rapport final là-bas, Yangoana. Nous avons salué. Comment lui ne peut pas saluer effort, il y a diplomatie, il y a Muninga qui aujourd'hui, enfin, les experts ont bouclé leurs enquêtes. Bientôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies vont se prononcer. C'est à cause, il y a diplomatie, dynamisme. Il y a moi, Mboka Félix Tshisekedi. Tout ça, lui, il ne voit pas. Lui, il joue les jeux d'un opposant Katumbi. Ah bon? Il joue les... Mais oui. Mais pour quel intérêt? Mais pour l'intérêt... L'église okay. Catholique répété Nanioso et toi, l'église catholique... Pour quel intérêt? L'intérêt est simple. Pour quelle raison? Mais je vais me référer à ce qu'une fois M. Logistien Kabouya avait dit, ça ce ne sont pas mes mots. Il dit, Ambongo, Alingi Mbongo. Oh là là. Ah voilà. C'est simple. Voilà, Ambongo, Alingi Mbongo. Il est derrière Moïse Katumbi, mais c'est clair, il aime l'argent, il aime le luxe, il aime l'opulence, mais voilà, il ne peut qu'être tout le temps derrière Moïse Katumbi. Mais malheureusement, à cause de ses intérêts égoïstes, monsieur veut plonger toute une population dans une division. Tala, jour il y a marché à opposition, le 20, il y a eu deux députés. Bah, l'équipe chaîne Moko de la place va prononcer discours Moko donc de séparation, va pousser même dans la guerre civile. Toi, tu as vu Ambongo aller condamner ces propos-là. Il n'a pas condamné ça. Pour lui, c'était un non-événement.
tout ce que lui a trouvé bon à faire na marche wana, tu as vu ba opposant ba beti ba policier mabanga 17 policiers grièvement blessés. Lui, tout ce que lui a vu là, c'est la force du progrès de l'UDPS. Pendant que nga nazala ki na marche wana, na mona ki force du progrès à ta mon côté ni na lichette ni na nzete ni na nini, parce que moi j'étais dans la marche il y a jeunesse tokuta ni na bango na na 15 je crois. Police et katibiso nzela bango kuna biso kotoyo. Mais bazo bamba ba policier mabanga, bazo bamba bango banzete pour preuve tomoni bilili, 17 policiers grièvement blessés par les voyous de l'opposition. Ça, Ambongo n'a pas vu. Lui, tout ce qu'il a vu, c'est dans sa tête les forces du progrès imaginaire. Alors, Moutoua Bongo, vous pensez qu'il mérite qu'on appelle cardinal? Et Makambwa Bongo, vous ne voulez pas que les chefs de l'État puissent recadrer? Parce qu'elle là, au milieu du village, a frustré Batoua pouvoir. À encourager ta opposition. Donc, va continuer comme Mama Banga. Nous avons vu, M. Fayoulou, les vidéos ont circulé, dire à ces militants, bon, Bamba, policier, Mabanga, bon, Bamba, Mabanga. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'Ambongo a condamné ça? Lui, tout ce qu'il a trouvé, c'est imaginer une histoire sur la force du progrès. J'ai dit non. Alors, le chef de l'État, tant que garant de la nation, il a constaté que l'Église, même pas l'église, c'est lui qui est à la tête de l'église, M. Ambongo, n'est plus au milieu du village. D'où il faut le remettre en ordre et nous appuyons. Bah, propos à Mokonziwana, et ici, à travers votre micro, nous demandons à M. Ambongo, s'il sent que la peau, il y a cardinal, ça ne lui va pas, eh bien, allons-nous la soutane, à Bandakola, à Baveste, à comme un politicien, à contre un parti politique. Ou carrément, à sa partie politique ou regroupement. Il va bien s'opposer à Tshisekedi. Bonjour, mon est le co-adversaire politique. Mais moi, je me pose la question. L'église catholique qui a combattu le pouvoir Kabila hier, Isala Diponanini, qui combat aujourd'hui Félix Tshisekedi, vous dites que non, il y a des questions d'argent. Je ne veux pas me répéter. J'ai dit, Mosengo, à la tête de l'église catholique, a combattu l'opposition avec manière, avec hauteur, avec pudeur. Je n'ai pas vu une seule fois Mosengo avec la femme de Tshisekedi à son absence. Oh là là. Oui, je n'ai pas vu tout le temps Mosengo au Katanga à tout moment, à tout moment, à tout moment. Il s'affiche à côté d'un camp à tout moment. Là, il divise les Congolais. Lui, en tant que cardinal, il doit peser le pour et le contre. Il doit conseiller ceux-là, conseiller les autres, il doit rassembler tout. Mosengo rassemblait tout le monde. Très bien. Depuis Mobutu, vous vous souvenez même de la conférence nationale souveraine. Mm-hmm. Mosengo rassemblait les gens. Vous vous rappelez, Makambo, il y a un rassemblement. Vous voyez, il y a un dialogue, il y a un deuxième dialogue, il y a Saint-Sylvestre. C'était Mosengo. Il rassemble l'opposition et les pouvoirs. C'est ça la hauteur. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vous, vous pensez que Namakamnengezalelo, Ambongo, peut rassembler les deux camps. Il est incapable. Lui, il a déjà choisi son camp et c'est visible. Mais Mosengo avait de la hauteur. Il pouvait faire asseoir Mobutu, il fait asseoir Tshisekedi. Mosengo pouvait faire asseoir Félix, il fait asseoir Kabila. Il pouvait rassembler les deux camps. Cardinal Mosengo, c'est ça de la hauteur d'un cardinal. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. C'est de la honte pour l'Église catholique. Et d'ailleurs, il y a une marche en gestation. Bientôt, il y aura une marche en gestation avec les membres de l'Union sur l'Église catholique contre qui ont marché pour que le pape ou la papauté puisse déchoir le cardinal Ambongo. Il ne mérite, mais je vous dis, il ne mérite pas être le cardinal représentatif du Congo. Bientôt, avec certains mouvements, nous allons nous rassembler pour faire une marche pour que l'Église catholique, à partir de Rome, et Bengana Ambongo à la tête de l'Église, il y a Congo, parce que à travers lui, le pays peut s'embraser. Donc, que le cardinal Ambongo recule, qu'il reste dans sa mission pastorale. Merci beaucoup. Allons-nous là, le colonel, à la politique, parce que nous allons lancer un message au Vatican pour que Balongola Fridolin Ambongo à la tête de l'Église catholique, il y a Congo, parce qu'il n'accomplit plus sa mission, il est devenu politique et il court derrière ses intérêts privés. Il est devenu politicien, il ne doit plus porter la soutane. C'est ça la marche. Nous allons écrire des calicots, nous allons faire des messages pour que Vatican et Yokaba Longole Labiso Ambongo à la tête de l'Église catholique. Donc, bref, bah est-ce l'Église catholique. C'est ça que nous allons faire. Peu importe Moutaroya, ceux qui m'ont besoin, si Mbaka, attends, écoutez, il y a une manière. Non, écoutez, il ne faut pas faire de sorte que l'Église est comme une partie politique à l'opposition.
Non, quand on l'Église catholique, ce n'est pas un parti politique de l'opposition. Non! L'Église doit être au milieu. Makambwa malamu, bolobi, eza malamu. Makambwa mabe, bo dénoncer, bo condamner. Le pour et le contre, il faut aller comme ça. Il a déjà choisi son camp. Hier, il a appelé ma marche, hier, à Bandek, organiser ma activité, c'est normal. Nan. Église catholique. C'est ce que je dis. Eza mabete. Mais il faut le faire avec manière. Lui, écoutez, je répète. Hein. Vous voyez Ambongo réunir les deux camps comme Osengo. Et aussi Mbate. C'est comme qui dirait, Balingi Balobake Martin à réunir les deux camps. Lui, s'il veut réunir les deux camps, il sera jugé parti. Parce qu'il a déjà choisi son camp. Pardon. Et nous le mettons en garde. Comme le président de la République a dit, eh ben, ça doit cesser. Que Ambongo recule, qu'il ne salisse pas l'Église catholique, que Ambongo recule, qu'il prêche la parole, qu'il arrête de transformer les cultes en matinée politique. Très bien. Qu'il arrête ça. Tolobe la matinée politique, justement, topé meeting et opposition, trois leaders Bazala qui ont présenté, leader Moko, Martin Fayou, la communauté à Kibongo, na population sur place. Est-ce que les alliés communication Moko Amabe, topé Zala Mokaka, circonstances de Sali Bongo, comment est-ce que vous faites la lecture par rapport à la structure médiatique et topé meeting et Sali Makilobi à Martin Fayou, du Bosso, la population? Vous savez, quand la prémisse est fausse, la conclusion sera aussi fausse. Les bases étaient mauvaises. Na loba ki yango awa na plateau na yoke bloc wana ezana tamula ite ba opanzana. Ezana ba jour ebete ba opanzana. Même pas deux mois ou trois mois. Ba ngona ba panzani. Pourquoi? Et panzani ke ba secrétaire général bazaki sur place. Non, écoutez, est-ce que na Lubumbashi ba secrétaire général de ba kendaki? Il y a de l'hypocrisie, la malhonnêteté, la duperie des gens. En fait, manque de confiance mutuelle. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis. Moïse a une dent contre Fayoulou parce que Fayoulou ne les a pas reconnus. Fayoulou a osé dire qu'il n'a bengani bino na lamuka pendant que Batouba salié ezaba Moïse wana. Il a battu campagne na mbongo na ye. Il a été logé, il a été nourri, il a été habillé, il a été déplacé par Katumbi. Mais en retour, Fayoulou l'a remercié par monnaie des singes. Et toi, tu crois que ces genres de personnes-là, bah, qu'on vend dans la messe à mon corps, et puis bah, ça, sincère, honnête, envers l'autre. Non. Moïse a une dent contre Fayoulou. Fayoulou a eu à décevoir les autres. Et d'ailleurs, il n'a pas même confiance. Donc, il y a une crise de confiance. Et de par cela, moi, je m'attendais à ce que Eko Panzana. S'il faut revenir na meeting au Yalobi, mais écoutez, ici, na lingina pesana na lungonya na mwana mobali moko a déféré chronique. L'air aux autres Kananzela, l'isolement qu'on est au Bétam. Donc j'aimerais aussi féliciter ici Ferregola. Moi, na mobali wana, aza vraiment mobali, longonya. Parce qu'à lui seul, il a réussi à faire près de 200 000 personnes. Mais quatre leaders Nanjili, au stade de Marche, ils n'ont pas fait 1000 personnes. En bon? Oh, mais les images, c'est toi, et si tu peux me montrer ne fût-ce qu'une vidéo ou une image, ce qui s'est passé à Nanjili. Non, nous avions eu à envoyer des gens là-bas pour voir ce qui s'est passé. Il y avait moins de 800 personnes. Moins de 800 personnes. Pendant qu'il y a un musicien, les jours avant, faisait un plein de près de 200 000 personnes au stade des martyrs. Donc aujourd'hui, l'actualité est déférée par le musicien Ferregola. Et je profite de votre micro et de votre caméra pour le féliciter. Aza Makasi, Koleka Katumbi, Koleka Martin. Ça c'est la culture normalement. Mais écoutez, le problème ici, c'est avoir l'acquisition de l'opinion, la population. Quatre leaders, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'un musicien a fait. Six causes nabango est noble. Si réellement la population s'est retrouvée en eux, balinga ki ba kende ba yoka. Mais la population ici est baie bango. La population est aventurier.
des vrais aventuriers, des acteurs de théâtre. Écoutez ce qu'il a dit hier. Il n'y a pas deux semaines ici, à l'Obaki, que non, il ne va pas participer à ces élections. Non, il ne va pas déposer. Il ne va pas déposer ma candidature, mais à boycotter l'élection. C'est ce qu'il a dit. Le point de presse. Voilà, parce que le discours à l'Obi Lobby. Le point de presse, il a dit quoi? Informez-moi en tant que journaliste. Il a dit que à redéposer T jusqu'à ce que Bossa l'audite, mais à boycotter l'élection. Écoutez, le message dans ça, c'est qu'il n'allait pas participer à ces élections aussi longtemps que Eza Babongicité. Vous comprenez? Mais hier, au terrain là, devant cette petite foule là, il s'est contredit. Dans son langage, c'est que il va participer. En fait, nous connaissons monsieur dans ses confusions légendaires, même 2018. Alors, pas qui est, bah, voter à machine à voter, non? Machine à voter. Il est allé jusqu'à dire, ceux qui vont commis dans le bureau de vote, zo papier d'obligataire, comment combo boire dans la urne? Vous comprenez? Tokokina machine à voter. Mais à trois jours des élections, à l'objet, non, Tokokina d'élection. Monsieur, nous les connaissons dans les tâtonnements, dans les improvisations. En fait, c'est pas un leader qui a un vrai capital de leadership. Il ne s'assume pas, il tâtonne. Azassur Nayete. Et pour preuve, petit à petit, vous voyez que monsieur Kotna a popularité et Zokenena Kokita. Donc, il a peur. Point de presse, c'était la peur de Tshisekedi. Alors, il s'est dit, ce qui n'a qu'il a battu, il n'a pas battu, non, tu as déposé. Peur d'aller aux élections. Mais quand vous ne déposez pas les candidatures, mais c'est le boycott, non? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ce que le but n'a pas déposé la candidature, les lots de la candidature est bandit. Ils ont 20 jours. Mais ce qui va déposer, c'est quoi? En d'autres termes, c'est quoi? C'est ni à prévoir les solos na opposition. Mais il n'y a pas de problème. Moi, m'apporte quoi au fond à au fond à sens nini. Parce que n'est pas de le bureau de la CENI ne sera pas reconstitué. N'est pas de problème. Parce que demande wana eza quoi abrutir le peuple congolais. Et l'ingi ezo ba congolais. Pourquoi? Parce que il existe une loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il faut se référer à cette loi et c'est là qu'on donne la procédure de comment bah, Kotaka, membre du bureau, nanini, babimaka. Et ça, la procédure, ce n'est pas ici pour moi le temps d'enseigner ça aux membres de l'opposition. Bazo senga makamumusu soupe eza kozo ba peuple. Non. Il faut bah, revoir cour conditionnel. Est-ce que c'est normal? Bah, juge basant la cour conditionnel. Félix Tshisekedi en prenant le pouvoir, il les a trouvés là-bas. Vous comprenez? Félix Tshisekedi ayez na sac na ba juge té. Il les a trouvés là-bas. Et puis l'article 158 de la Constitution. Ils ont expliqué ndenge nini ba komaka juge à cour conditionnel, ndenge nini bazakali sous té juge à cour conditionnel. Rappelle mouké. L'article 158 prévoit 9 juges regroupés en 3 composantes, c'est-à-dire 3 proposés par le président de la République, 3 proposés par le Parlement, 3 proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. Bazar remplacé par cycle de 3 personnes après chaque 3 ans. C'est ça la procédure, il y a Kolomo na cour conditionnelle. Maintenant, bino bozo linga lelo. Bah revoir cour constitutionnel, na mécanisme nini, sur quelle base légale, sur base de quelle constitution, sur base de quelle loi. Donc on doit comprendre que et ça, nous avons affaire à une opposition qui ne sait pas ce qu'elle fait. Ezaka yangote ba sengi pe na audit ya fichier électoral na commission moko eza expert international. On a mis ba cumul wana ya ba revendication. Ezalukuta. N'ont-ils pas ce droit quand même à au moins la claire na, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Pour les Bangote, même Senko l'a dit. Écoutez, la Senko l'a dit que audit le fichier électoral les a malamouté. Le fichier a été audité. Le fichier a été audité. On a eu à élaguer ce qu'on a élagué, les mineurs, les doublons. Et le fichier a été audité et nettoyé. Le fichier, il est crédible, il est fiable. Et na lingi na fongola le komoko. L'audit du fichier électoral n'a pas de soubassement légal dans la loi électorale. Nulle part tu verras, il y a un article qui dispose de l'audition du fichier électoral. Non, ça c'est selon les pratiques
Tout le monde a dit 2006, 2018, plutôt 2011, mm-hmm. on a eu à auditer les grilles électorales. Mais ça n'a pas de soubassement légal. Il faut que le peuple comprenne que Eza loi te. Tant la loi électorale du début à la fin, nulle part on vous exige d'auditer le fichier électoral. Ce sont des pratiques yasseni. Donc là, il faut comprendre ça. Donc, bah, revendications na bangonyo, ce sont des revendications bidons. Net makamaku conditionnel wana. Donc moi je dis, les gens se réunissent, se rassemblent, bah déverser batunanzela, tout simplement pour demander au président de la République à violer la constitution. Est-ce que le président de la République a nommé un juge à cour constitutionnelle? Non, ce n'est pas composante. Il y a un recommandateur à trois. L'Assemblée nationale, trois. Plutôt, Parlement. Conseil supérieur de magistrature, trois. Mais là, moi, j'aimerais être en face de quelqu'un de l'opposition. Qu'il m'explique. Quand il demande la recomposition de la cour constitutionnelle, ils s'attendent à quoi? Et puis, procédure. Et qu'aux alanini, par quel mécanisme, aujourd'hui, là, on doit changer la cour constitutionnelle? Si ce n'est pas demander au président de la République de violer la constitution, ou ce n'est pas demander au président de la République d'être dictateur. Parce que si le président de la République aujourd'hui s'élève, dit ok, Nayoki, toi changer la cour constitutionnelle. Moi, ça veut dire quoi? Donc eux, ils veulent proposer des juges là-bas? Ou ils pensent que Tshisekedi est venu avec des juges dans leurs mallettes? Plutôt dans ses mallettes? Non, Félix Tshisekedi a trouvé ces juges-là. Il les a trouvés, mais il a proposé, le Parlement a proposé, le Conseil supérieur de la magistrature a proposé. Mais le FCCP a dit d'accord, tu as besoin de mon pays, il n'y a rien qui m'a nion ce jour ça, les processus électoraux, les autres, il n'y a pas que quand il a Mouka, Martin Fayoul et les autres, il y a aussi FCC, il y a aussi Bande Komsoussou. Comment est-ce que nion ce bon bazo, le bon mon akana? Le plateau ici, il est sérieux. Il faut respecter ton émission et les téléspectateurs. Un sujet comme ça, toujours sur la macamo élection, on ne peut pas parler du FCC, s'il vous plaît, madame. Sur les compatriotes FCC, congolais, ils font en partie. Matière des élections, na Congo Awa, on ne peut pas parler du FCC. Ou carrément du PPRD. Et par ricochet, Kabila. Non. Le FCC n'a pas de candidat. C'est d'abord la première des choses. Le FCC a représenté Nani na l'élection. Bango ba qui m'a coûté avant? Parce que on a candidaté. Eux, ce qu'ils attendent, c'est quoi? Baos et la Félix Tshisekedi ou les régimes en place au bas de la montagne. Dialogue. C'est le seul moyen par lequel Bango Bako accède à la gestion. Et voilà, Bamisoupe Balandi Bango, Baba Martin, Baba Matata, tous ces gens-là. Personne n'a la taille de battre Félix Tshisekedi. Alors, il faut diaboliser le processus électoral. Il faut qu'on le baquez à ma baie. Quoi là? Un fichier. Le bureau. La cour. Ce sont des faux fuyants. Le calendrier de la CENI, depuis qu'il va publier Yango, ils ont suivi cours normal. À ta indice, mon côté, il y a qu'on démontrer que l'élection aux Alaté, bah, représentant. Donc, on a commencé par l'enrôlement. Ok? La loi électorale. Et bimi. Loi sur la répartition des sièges. Auditer fichier. On veut que Nzamba confondre Bango. Kassa est parmi la province Oyo. Et Zana, na ba siège mouke. Je te donne un petit exemple. Parce que Bango, tu les recevais ici. Na Kassa est multiplié ba bureau. Ba tu vas voter na bandaku. Pour ba siège, c'est les belés. Mais regardez. Pour les grands Katanga, c'est 79 sièges. Vous allez comprendre. Pour la ville de Lubumbashi seulement, c'est 14 sièges. Mais regardez. Pour la ville de Kananga, c'est 4 sièges seulement. Vous vous rendez compte? Pour la ville de Mbujimaï, c'est 6 sièges seulement. Donc, ceux pour rassembler les deux chefs-lieux, et au sala 10 sièges. Mais Katanga, juste Lubumbashi, c'est 14 sièges. Et électorat Yamakasi, et Zana Nord Kivu, c'est 48 sièges. Donc, tu vois que les opposants n'ont pas un argument en face.
Parce que langage, on a la ligne qui est en train de se faire. Que vous multipliez le bureau dans Kassai, tout le voter dans Bandaku pour que vous ayez un siège belé. Dieu vient de le confondre. Aujourd'hui, Kassai est parmi les provinces où ils ont un siège. Okay. Siège et belé, c'est l'Est carrément. C'est l'Est. Le bloc soit dit là, il est dans un siège et belé. Pourquoi Bazo Baye Awate Basenga, pardon. Donc vous comprenez que Bazo Kima, tantôt c'est fiché, tantôt Bazo multiplié par bureau, tantôt par mineur, tantôt par doublon. Ah, comme il carte. Donc vous sentez que les revendications sont banales. Pour vous, l'opposition a après c'était pendant qu'il n'a pas l'élection. Écoutez, mais ça saute aux yeux. C'est clair. C'est clair qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ceux qui ont bandit dans FCC, FCC va présenter quel candidat? FCC n'a pas de candidat. Et pour Bango, il ne faut pas diaboliser le processus, emballer l'opinion. Malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour que tu aies un dialogue. L'autre ici, Martin, il a vu dans son. Il dit, lui, il sera élu où pendant que son parti politique, d'abord, n'est pas implanté sur l'étendue de la République. Son parti politique, il a implanté Kakaawa en enseignement. Kakaawa, attends la quartier, il y a une cellule, il y a un parti politique. Oh, bien, Martin. Son parti n'est pas implanté. Lui, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué à Genève. On l'a fabriqué à Genève. Ses fabricateurs l'ont lâché. Maintenant, il sera élu où? Sur toute l'étendue de la République. Il ne crée pas l'unanimité. L'autre ici, Katumbi. Non. Il a d'abord un problème sérieux d'abord avec l'opinion. Il n'est pas d'abord congolais. Donc les Congolais ne vont pas élire un étranger. Donc c'est l'union sacrée, n'a commis au déterminé, n'a pas Congolais qui ne l'est pas. Naomi, toi et moi tels que nous sommes là, on sait voir que nous sommes des Congolais, non? Est-ce qu'il faut qu'on pose beaucoup de questions? Mais quand vous regardez Katumbi là, quand vous le regardez, est-ce qu'il est ton frère? Ça ne mérite même pas. Tous les métiers ne sont pas Congolais. Écoutez, il ne faut pas me plonger dans ces débats-là des métiers. Moi j'ai des amis métiers, de Congolais. J'en ai étudié avec plusieurs hommes et femmes. J'ai mes amis métis, congolais. Vous comprenez? Je ne veux pas ici entrer en guerre avec les métis. Je les aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis métis. Hommes, tout comme femmes. Mais lui, là, lui, ce n'est pas un Congolais. Lui, là, ce n'est pas un Congolais. Et il vient embrouiller les gens ici. Ce sont des gens qui sont venus ici pour faire la pêche. Ils ont pris le goût. Bah, continue à Makamboya Sport. Ils ont pris le goût. Et voilà! Ils sont entrés dans les affaires, ils ont pris le goût. Maintenant, ils veulent nous diriger. Et il y a des Congolais qui sont derrière ce genre de personnes. Moi, j'ai dit non, Moïse Katumbi ne sera pas président de ce pays. Et même sa candidature ne doit pas être acceptée. Ces derniers temps, il est cité presque partout. Apparemment, régime en place et... Écoutez, il est cité partout. Monsieur a des moyens. Il injecte, il manipule les médias, il manipule l'opinion. Il a l'argent, c'est normal. Mais malgré tout ce qu'il est en train de faire, qu'il sache que n'infisque qu'à candidature naïe, Moïse Katumbi ne va pas déposer. Nous lui permettons de faire tout dans ce pays. C'est comme ça que moi j'ai dit, vous savez, lorsque le président de la République a ça qui réaménagement le gouvernement, dans mon qui bâtit le ministère à sport, monsieur Kaboulou, Mona Kaboulou, que j'apprécie beaucoup. Mais moi je n'étais pas content. Moi je n'étais pas content parce que moi j'attendais que l'air baso prononcé par ordonnance soit là. Juste le ministère des Sports, j'aurais bien voulu qu'on puisse donner ça à Moïse Katumbi. Parce que si Moïse Katumbi est ministre du sport dans ce pays, sport est co-changé. Mais oui. Alors que ça avait ambition comme président de la République. C'est depuis même. Maintenant, non, quel depuis? Moi, je l'ai toujours voulu, Moïse Katumbi. Président Yafekofa. Il fera un bon travail. J'ai toujours voulu Moïse Katumbi. Président Yalinafoot. Vous voyez que Yalinafoot est Katani. Championné Katani, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon leadership à la tête. Mais si nous avons quelqu'un comme un Moïse Katumbi, qui maîtrise les méandres à FIFA, à CAF, football congolais, regardez comment il a fait enchaîner Mazembe à titre. Il connaît le football, il a l'expertise sur le football. Donc Moïse Katumbi est bon pour être président de la FECOFA, président de la Linafoot. Comme il aime faire la politique, c'est comme ça que je voulais qu'il soit ministre de sport. À la rigueur, ministre de pêche et élevage, il a l'expertise. Oui, il peut faire ça. Parce que lui, il n'y a qu'à pêcher. Oh. Mais oui, ils sont venus, leur première activité, c'était la pêche à Kachobe, au lac Mouero, avec son frère. Ils sont venus là avec des bateaux de pêche. Et eux, ils faisaient déjà Kala, pêche industrielle. Déjà à l'époque, s'il continue dans ça, ministre de pêche, agriculture, élevage et au Simba, ministre de sport et au Simba, Katumbi, président Afekofa, président Linafoot et au Simba. Mais président de la République, ce sont des ambitions démesurées. Nous devons aimer notre pays.
Nous devons nous aimer, nous les Congolais. Et c'est comme ça que je regrette, je vois du Congolais derrière quelqu'un comme ça, un coopérant, un commissionnaire de multinationales, c'est celui-là qui sont en train de soutenir pour qu'il puisse venir détruire notre pays. Une parenthèse, je crois que l'émission, chaque Congolais a droit à Rosana Bambichon. Est-ce que vous avez le rôle adversaire de taille à éliminer même avant la bataille? Un étranger ne peut pas être un adversaire de taille face à un fils du pays. Mais il a un passeport congolais donné par le régime. Monsieur a dirigé la province du Katanga. Pendant qu'il était dirigeant, gouverneur au Katanga, moi j'étais au Katanga. Pour ton information, moi je suis natif du Katanga. Tous les 8 ans de la gestion à Moïse Katumbi, moi j'ai été au Katanga. Mais on a assisté à des pillages systématiques des minéraux. Pillage, quand je dis pillage, ça veut dire pillage. Est-ce que vous savez qu'il y a des minéraux bruts? Quand on parle de minéraux bruts, je vais expliquer aux Congolais c'est quoi qu'on appelle les minéraux bruts. C'est-à-dire, par exemple, Batoubaye a signé un contrat, il y a or, bon, cobalt, na cuivre, par exemple. C'est que il ne faut pas exploiter kaka, cobalt, na cuivre. Vous comprenez? Mais dans le contrat, il y a cobalt, na cuivre. Alors, dans le cas de il ne faut pas extraire kaka, cobalt, na cuivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas de ba minéraux, na cas de il y a le cobalt, il y a le cuivre. Il y a les zinc, il y a les talc, il y a les malachites, il y a le gravier, il y a les zinc, il y a l'uranium, il y a les moellons. Il y a plusieurs variétés. On prend, il y a des minéraux dans Katiwana. Alors, il y a Toki et Kelibanda qui sont raffinés. Contra, il y a or, na cuivre, mais il y a exploité ceux qui 10 variétés ou 12 variétés, il y a des minéraux. On a ça qui m'oubite. Tobanda qui est au 18h et Koki, il y a Kanginzela, il y a Trak, il y a Remorque, et il y a des minéraux dans minéré na Kolwezi. Côté Likasi, Lubumbashi, Kasumbale, Sazambi, et c'est parti comme ça dans les marchés internationaux. Et ce monsieur l'a fait pendant autant d'années. Il a géré la province du Katanga, entrepreneur, nyonso loko, à côté de secteur na bango, pour lui, il avait les liquides. Abomé la bango, nyonso kop. Les entrepreneurs katangais étaient étouffés. Les grands opérateurs économiques katangais étaient étouffés. Il y a même un monsieur qui a perdu sa vie. La première personne à faire la formule, il y a Push Café. Ou est-ce qu'il y a Push Café? C'était un monsieur qui habitait au Katanga. Mais il est parti comme ça, il a perdu sa vie. Monsieur, donc, Moïse Katumbi, Sissoko qui a commis président à Congo, nous serons tous ses esclaves, comme tous les Katanga, tous les Katangais. Et il faut les combattre à tout prix. Pas les combattre. Pas les combattre. Il faut lui faire comprendre que tu ne fais pas partie de cette nation. Lui-même était allé en Israël. Il est allé plaider, il a dit, mes frères, on ne me veut pas là-bas. Pourquoi il ne va pas postuler en Israël? Non, soyons sérieux. Dites-moi, pourquoi il ne va pas postuler en Israël? Pourquoi il veut venir postuler seulement à la République démocratique du Congo? Dans Israël, il peut pas élection à la gâte. Pourquoi quelqu'un a été en Congo? Donc, monsieur, il voit que les Congolais sont faibles. Les Congolais sont naïfs. Ici, il faut qu'il y ait un profité Bango, ou tout a divisé Bango. Aujourd'hui, il vient embrouiller la classe politique congolaise. Mais il y a les Congolais éveillés, clairvoyants, comme nous autres ici. Nous ne laisserons pas à cet étranger l'espace de diriger ce pays. Et d'ailleurs, Nemfi sera à un niveau à déposer candidature naé, à déposer T. Comment? Pourquoi? Si Moïse Katumbi osait déposer sa candidature, ça serait une mauvaise jurisprudence. Pourquoi? Pour ce pays. Donc, tous les Chinois que vous voyez là, les Libanais, les Indiens, à la prochaine législature en 2028, eux aussi viendront déposer la candidature. Jusque là, rien ne prouve qu'il n'est pas congolais. Azan n'a pas ses passeports congolais donné par le pouvoir, je rappelle ici et je le répète. Écoutez, bon, Makambo, Toloba, Nengenin, ce n'est pas le passeport qui change ton sang. C'est pas le passeport qui change ton identité, tes souches. C'est pas ça qui change. Il y a un document qui prouve que Moïse Katumbi n'est pas congolais. Écoutez, le gars n'est pas. Et d'ailleurs, quand vous l'appelez Moïse Katumbi, c'est faux, il ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Monsieur Soriano. Son père, c'est Nissim. Il est issu de la famille Nissim Soriano. Il s'appelle Soriano. Katumbi, tout ça, ce sont les gens qui lui ont donné ça. Ce sont les gens qui lui ont donné ça. Il s'appelle Nissim Soriano, le nom de son père. Donc il ne faudrait pas venir ici embrouiller les gens. Ce monsieur-là ne sera pas président de ce pays. Allons-y, même s'il était congolais. Madame Naomi, toi tu seras fière d'être dirigé par un Katumbi. Ton président, tu vas à l'étranger. Et puis, on commence à citer le nom des présidents.
Et puis tu vois un Moïse défiler là, on dit c'est celui-là le président de la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui sait qui a des difficultés à lire, qui a des difficultés à parler, qui a des difficultés à marcher, et c'est celui-là ton président. Pas sur ces terrains, moi, ce monsieur ne sera pas mon président. Et les Congolais qui sont en train de nous suivre ne peuvent pas mettre un monsieur qui a une honte à la tête du pays, une rusée. Non, ce pays mérite la taille de celui qui est dirigé. Population, celui qui population, il est là, population, il mérite ce pays. Et il faut l'appuyer jusqu'au bout. Population, il ne faut pas vous amener n'importe qui. Le 20 décembre non, prochain, ce pays mérite mieux. Parce que même loi, il y a loi Tchani. Naomi, je veux finir par là. Les gens, même pas examiné. Je ne vois pas quelque chose qui va interdire à Moïse Katoum de déposer. Écoutez, je veux dire quelque chose de très important. Apparemment, nous-mêmes, les Congolais, nous commençons à banaliser notre pays. Est-ce que vous savez que le Congo est au centre des enjeux mondiaux? Le Congo, c'est la solution de la survie du monde ici au 21e siècle. On se comprend? Le Congo peut nourrir 2 milliards de la population mondiale. Le Congo va faire respirer le monde. Donc, le Congo est au centre là-bas. Enjeu moko boye oyo, tu ne peux même pas t'imaginer. C'est au-delà de ce que tu t'imagines, le Congo. Alors, ces Congos-là méritent des hommes. Ça ne mérite pas n'importe qui. Alors, réduire les Congos au niveau que même un Katumbi peut les diriger, en tout cas, c'est cracher sur nous-mêmes. Et c'est une honte. Moi, je suis un Congolais éveillé, clairvoyant. Je ne permettrai pas qu'une banalité soit à la tête du pays. Il n'y a pas que il y a Matata Ponyo, il y a Delice Sanga, il y a même Corneille Nanga qui va se présenter dans ma maison. que le peuple a décidé. Population a décidé. Il n'y a pas que Moïse Katumbi. Parce qu'apparemment, pour l'Union sacrée, adversaire en face, César à Moïse Katumbi. Non, nous, on n'a pas d'adversaire. On s'attaque à lui. Madame Naomi, je crois qu'il faut faire la lecture politique de ces pays. Toi, tu vois en face de Tshisekedi, comme par exemple un Étienne Tshisekedi ou Amoulumba face à Kabila, donc un opposant. Toi, tu vois ça ici dans cette scène politique. Quelqu'un vraiment qui nous allons aux élections aujourd'hui, il se tient, il emballe la population. Il dit je vais faire face à Tshisekedi. C'est qui? Azane. Azane? Azanani? Soriano? Martin? Avec cet attonnement? Et puis vous citez des gens qui ne sont même pas opposants. Depuis quand Matata est devenu opposant dans ce pays? Depuis quand il y a un Matata opposant? Matata n'est pas opposant. C'est un fugitif. C'est quelqu'un qui va se cacher dans l'opposition pour fuir tous les déboires qu'il a avec la justice. Depuis un certain moment, on l'étouffe, qu'un des bobos kangi, l'étouffer. Il a qui derrière lui? Un Matata. Il a qui? Il a quelle opinion? Il a quelle base électorale? Écoutez, ce sont des gens qui ont des démêlés avec la justice et qui vont se cacher dans l'opposition. Il va se cacher dans l'opposition, madame. Il n'y a pas de Félix Tshisekedi n'a pas un challenger en face. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'agiter, ressuscitant même des raisons de ne pas participer aux élections, des raisons bidons. Oh, ils ont violé la constitution. Oh, ils ont été dans la terre. Donc pour vous, le deuxième mandat est un qui? Il y a un boulevard. Boulevard pour Félix Tshisekedi. Un boulevard. Population d'Alobi pour population d'Okata. La population que tu cites là, la population est acquise à la cause de Félix Tshisekedi. La population aime son président comme tu ne l'as pas aidé. Toi, tu crois que Nengozo Lobake, non? Est-ce qu'il y a Roléka? Tout la question, on a un fonctionnaire. Moutoumou, il y a fonction publique. Tout le monde qui connaît, c'est Félix Aoulégatoire ou Légaté. Mais il va te dire, mais si tu touches à Félix, il sait qu'il dit, mais moi j'étais au Congo central. On a visité le village de Bélé, Koma, Kindinga, Massa, Kota, Banzangoukouna. Là-bas, si tu parles mal de Félix, il sait qu'on peut te lapider. Et puis pourquoi? Parce à cause de seulement la gratuité d'enseignement. Banabango va t'en au Félé. Moi j'ai vu. Bazo Kende, Inde, malgré que la distance des amis là, Bao Kende, Bao Zong, au Félé. Et pour faire ce que vous avez même si moi, je suis en uniforme, je suis en école, je suis en uniforme, 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 j'ai failli être tabassé. Il fallait que les gens soient soutenus avec beaucoup de difficultés. On me dit que les gens soient au monde où ils ont été au Tumbayo. Même ceux qui ont été en même ceux qui ont été en uniforme. Mais les gens ont été en uniforme. Ils ont été en uniforme.
pour na kaka bana biso botanga ofelé Félix Tshisekedi faut aoumela. Il faut Tshisekedi aoumela. Tout le monde fonctionnaire public. Ba fonctionnaire ya nini? Ya l'état. Ba fonctionnaire à l'état. C'est vrai, salaire wana nanu e comité nenga to banda ko linga. Mais il y a eu un pas. Les fonctionnaires qui touchaient 80 000 francs. Aujourd'hui, il est dans les 170 000 francs. Et pour Yébi Samoutou, avec promesse que Baouba Issa Lissous. Yo, si quoi, que Yébi Samoutou, est-ce que Moutou a Koleka? Ou bien Moutou, il faut tout l'ongolaye. Mais ça ne va pas. J'ai vu hier à la RTNC, dans Mbandaka, des formats à 145 territoires, Baotonga, Baopito. J'ai vu les Bangala, pour ça, quand on a Félix, Lembolaye, Tomba. Non, tu sens que. La population aime son président. Très bien, nous avons, nous allons citer. Ce peuple ici va donner un second mandat à son président. Attention, le peuple congolais est compliqué. Ce que c'est lié Bola Mumingi, à quoi perso deuxième mandat, au soutien perso na troisième et na quatrième mandat. Exact, et voilà constitution le bien voté. Mais le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Nous allons citer Trésor. Le peuple peut demander les référendums. Nous allons citer Trésor Kalala, notre ami de l'opposition nous a manqué ce matin. On a invité à la Limingi, meeting Ezaki Makasi, Topenini. Je crois que non, c'est pas un manque d'arguments, c'est la honte. Oh. De ce qui s'est passé hier. Angile, il viendra dire quoi? C'est la honte. Ils vont rassembler plus ou moins 500 personnes. Sûrement, c'est la honte. Demain. Il sera là demain. Il va rien dire. Aux amis de l'opposition. Akananga Félix Tshisekedi déclare que personne ne va blaguer avec la sûreté de l'État à côté de Mélango, Nandenge, Nyonso. Est-ce que les instaurations d'État de droit, topé acharnement, est-ce que Aza Sima, il y a arrestation Nyonso? Acharnement contre qui? Écoutez. Moi, j'ai suivi le président de la République, j'ai vu son expression faciale, j'ai vu son gestuel. J'ai été fier de mon président et de mon bal à Télémy. Donc, vous savez, la sûreté de l'État, il ne faut pas blaguer avec. Maman, ce qui est l'eau, coup d'été, ça, la ministre, vous savez de combien d'années nous allons reculer? Vous savez de combien d'années nous allons reculer? Ou s'il y a des gens qui coopèrent avec les étrangers pour que on nous envahisse. Admettons que Bakou na bango réussir, Bangou na bakoti, Bomi Bomi to kimi na mboko. Est-ce que nous aurons les élections? Nous n'aurons pas les élections. Est-ce que nous allons vivre bien là où nous serons? Moi, je n'ai que ce Congo comme pays. Et pour ça, il faut enlever les opposants. Bah, on est basé, on a enlevé quel opposant ces derniers temps? On a enlevé quel opposant? Comme on a maman Franck Diongo à l'équipe TV Kolobani. Qu'est-ce que vous appelez enlèvement? C'est quoi un enlèvement? C'est la beauté du mot enlèvement où il y a eu réellement enlèvement. Salomon Exadel a pris un aéroport. Nous avons suivi communiqué à Demiap. Par quatre chemins, monsieur a des armes. Monsieur communique en permanence avec le M23. Et puis, depuis quand Salomon est opposant? Qui est opposant, Mouzanine? Toi, tu connais dans ce pays un opposant qui s'appelle un Salomon opposant. C'est le bras droit. Salomon opposant. Bras droit de Moïse Katumbi. C'est un garçon de course, il y a Moïse Katumbi. Il faut. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui commettent des infractions tous les jours ici. Pourquoi on ne parlait pas d'eux? Pourquoi? Va au parquet. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être auditionnés. Tous les jours, les gens vont à Makala. Tous les jours, on arrête les gens. Pourquoi le cas d'un individu peut faire chanter toute la République? Parce qu'ils ont l'argent. Mais écoutez, Il va se présenter. Mais écoutez, mais oui, si toi, dans tes propos, tu commets des infractions, et puis tu fais quoi? Bozoli n'a état des droits, mais Bozoli n'a pas respecté mes deux côtés. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu déranges la loi, on va t'interpeller. Écoutez, être politicien ou être opposant, ça ne veut pas dire que tu es humanisé. Non, la qualité d'un opposant ne te donne pas les humanités. Même les gens qui ont la qualité des humanités là, il y a une procédure. On va enlever les humanités et puis on va te poursuivre. Malgré que tu as les immunités, tu commets une infraction en flagrance, on t'arrête directement. Donc, ce n'est pas le fait d'être opposant que tu es permis de tout faire. Tu commets des infractions, quand on t'interpelle, tu cries à l'acharnement. Dis, mais ce pays changera quand? Tu es opposant, tu commets des infractions, on te poursuit, on t'arrête, on te juge, on te condamne et on t'emprisonne.
C'est comme ça que ces pays vont changer. Mais depuis quand l'opposition va sauter la sécurité à l'État au lieu d'aller aux élections et conquérir le pouvoir? Lorsque Bakangi Mutu, Azana Mandoki, nous sommes dérangés. Il y a des millions de gens qui meurent à l'Est à cause de M23. Quand toi, un citoyen, soi-disant de ce pays, tu te permets d'être en communication permanente avec eux et vous voulez qu'on vous laisse. Tout simplement parce que on est garçon des courses d'un certain Katumbi. Mais il faut que les choses changent. Ce pays n'aura plus de coup d'État. Ce pays ne sera plus envahi comme il l'était en 97 avec Moïse Kabila et son Afdel. Ce pays, il est temps qu'il vive sa paix. Et l'homme qui est à la tête, Félix Tshisekedi, nous amènera à cette paix et il est prêt il va l'imposer. À être sur le chemin de tout celui qui osera attenter à la sûreté. Il s'impose, c'est ça la dictature. Écoutez, justement. Qu'est-ce que vous appelez dictature contre la sûreté de l'État? Quand il dit que la et la Montignon sont hasards, qu'on bébé sa sûreté de l'État, il y a la justice, il y a la séparation du pouvoir. Il est le garant de la nation. Félix Tshisekedi est un bateau, donc prisonnier. Au début de cette émission, j'ai évoqué l'article 69. Président de la République, il est le garant de la nation. Il est l'incarnation du peuple congolais. Il est le juge suprême. Il est le commandant suprême. C'est une institution à part. Ok? Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Donc, il peut parler comme un juge. Il peut parler comme un général. Il peut parler comme un président de la République. Et il a pris ses responsabilités. Et j'ai aimé ça. Quiconque osera attenter à la sûreté de l'État, il l'aura sur son chemin. Et nous, nous sommes derrière le président de la République. Nous l'accompagnons. Tout celui qui osera attenter à la sûreté de l'État, nous serons aussi sur son dos. Et j'encourage toutes les arrestations auprès de personnes qui tentent de déstabiliser le pays. J'encourage ça. Je dis moi très honnêtement. Voilà. Moi, Trésor Kalala, tout celui qui est cité. Donc, la logique, hein? Tout celui qui est cité dans le dossier d'attentat à la sûreté de l'État, eh bien, il doit être arrêté, jugé, condamné. Ceux-là pour qui on va prononcer la peine de mort, qu'ils soient même fusillés au stade. Oh là là. Ce pays, nous devons l'aimer. C'est prévu ça dans la loi? Je dis, est-ce que c'est la peine de mort est prévue dans notre code militaire. La peine de mort est prévue. Et ceux-là qui seront condamnés à mort, qu'ils soient tués en public, parce que ce pays doit vivre sa paix. On a tant souffert. Plus de 10 millions de morts, c'est trop. Et même l'économie, les lots et les tambo la bien-té. C'est à cause de l'instabilité. Vous savez que la guerre fait dépenser beaucoup d'argent au pays. Bon, on va investir à tel hôpital, ben on va investir à Banzela, ben on va investir à tel bilanga, bon on a besoin de ça, ben militaire na guerre. Il y a des gens ici au pays qui tirent des ficelles pour que guerre ou ait si la terre pour leurs petits intérêts égoïstes. Alors des gens comme ça qui font tuer des millions, sont babomi et moroto misato. C'est pas seulement l'opposition, même dans la majorité. Mais je dis ceci, tout c'est lui. Je suis clair. Ok. Je ne suis pas seulement opposé. J'ai dit tout c'est lui qui est cité dans un dossier d'attentat à la sûreté de l'État doit être arrêté. Et s'il doit être condamné à mort, eh bien, qu'il soit tué au stade. Nous allons chiter. Pour que ça donne la terreur à tous ceux-là qui ont aussi ces velléités-là d'attentat à la sûreté. Pourquoi tu as l'ingam mort à la bisauté? Pourquoi tu as l'ingam mort à la bisauté? Chitons-moi la mort. Et voilà, ce sont les genres d'opposants que nous avons qui vont dans des marches avec les armes. Avec des armes. Qui voyage. Mon monde qui est qui a gardé corps à matin. C'est faux. Ce qu'on a dit est Lokoana entre le 25, le 20. Mundu qui wana, pourquoi il n'a pas déclaré? Écoutez, il faut que l'ingambo à la vision. Ma tante aussi doit être interpellée. Parce qu'elle a qui va douille. Oh, bah, bête qui n'a mouton à la banque. Soyez au bête qui s'assit. Tac, douille et quoi à kao. Tac, douille et quoi à kao. Parce que douille wana et quoi qui n'a mouton à la banque. Bah, bête qui s'assit moussika. Douille peut pumwe et quoi qui n'a mouton à la banque. Lui, il doit nous dire où est-ce qu'il a eu ces deux-là. Nous avons une opposition armée en pleine capitale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une opposition armée. Bazanaba, deux, Bazanaba, Sassi, Bazanaba, Mandoki. Et vous voulez que le président de la République se taise?
on ne va pas transiger avec la sûreté. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boka. Très au calala, Ndeko, position à Zangwiso. Oh là là. Je crois que prochainement, Tozana, Bino, Ndeko, Kalala, à en profiter, Nango, Pepe, sa message, Naye, Norosenga, mot de la fin, Nayo, parce que déjà, des fois, ma candidature est bandit, oui, exactement, comme déjà, Nasuka, des fois, ma candidature est bandit, votre message, la population, Oezo, Landayo, Ninigo, Lakabango, Niko, Yebisabango, par rapport à 2023. Non, des fois, la candidature est bandit, que bah parti politique est aligné bah candidat et tia ba liste na bango en ordre, le dépôt se prouve 20 jours et notamment pour le cadre parti politique nanga Alliance pour les actions de développement du Congo, nous sommes déjà prêts. On a suivi une formation avec les experts de la CENI. Le week-end qui venait de passer, on a eu à présenter bah candidat député yon prêts à autorité à parti tozo bongisa ba liste. Je crois nous déjà d'ici le 5 nous aurons déposé, parce que j'aimerais souligner quelque chose, il faut yebango, biso parti politique nanga, Alliance pour les actions de développement du Congo, toza na objectif, yakope sa mokonzi mboka, 222 députés nationaux, peut okay. Sango, parce que AADC comme isko regroupement politique. Mm-hmm. Alors notre regroupement politique, nous avons un objectif et nous allons l'atteindre, yakope sa mokonzi mboka, 222 députés nationaux, 340 députés provinciaux, 48 sénateurs, 14 gouverneurs, 12 ministres nationaux, et puis pour ton information, même l'information de la population, AADCA, n'est écopé ça même informateur, il y a majorité, formateur à gouvernement et même premier ministre, à Koutanakati AADC, parce que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, Bissou AADC parti, Bissou n'est écopé ça, Mokonziamboga. Premier ministre, il a large majorité déjà à 222 députés. Ça fait beaucoup d'ambition, donc, très bien. Voilà, donc je demande à la population, ou aux partis politiques, les présidents des partis, d'arranger la liste na bango et ça en ordre to lingite ba parti nous n'était à opposition na komona a ba ke ba déposer ba liste. Oh non, ba rejeter liste na biso, mais ceux qui vont réunir ba dossier T, ceux qui dossier na biso ça conforme T, ba ko rejeter yango au komona opposition et vous avez sous prétexte moussous. Ba rejeter liste na biso, oh ba kati candidat na biso. Non, mais votre candidat doit avoir dossier na au grand complet, dossier na bino à parti, il faut y respecter ba norme ya CENI, bo déposer, préparons-nous pour les élections le 20 décembre pour encore reconduire notre président de la République à la tête du pays, je cite le béton Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo. Très bien. Pour plus d'informations, pour nos Kenena, site officiel, il y a Seninion Cheza Kunandenge, Denika Dimaloba, qui c'est la fin de cette émission. Notre ami de l'opposition nous a manqué, nous l'avons dit. Demain, Torosa est fort qu'équilibre. Je veux quand même saluer quelqu'un à la fin de l'émission. Je félicite encore Ferreo à l'équipe 4 opposants. Faire rigolo, l'équipe 4 opposants. Là, c'est la culture. L'équipe 4 opposants, en tout cas, c'est. Je n'ai jamais vu ça. Coup de chapeau à Faire Gola, Jésus des nuances, qui est plus que Fayoulou, plus que Matata, plus que Sesanga, plus que Katumbi. Parce que lui a réussi à réunir plus de 200 000 personnes. Contrairement aux 4 opposants, Angil, ils n'ont pas réussi à mobiliser 800 personnes. Donc l'opposition est morte dans ces pays. L'opposition est morte. Batikeli Félix Bouvard, donc rendez-vous dans le deuxième mandat. C'était pour la Congo, et ça a été avec un déco trésor Kalala, Tokutani Lobby. Je m'invite à me soumettre toujours. Avec le même plaisir, tout le monde qui respecte l'équilibre de notre message na Congo Buzz Télévision, Botika la Bisso, Botika la Fidèle, na Manaka la Bisso, Manaka la Bisso, et continuer à s'abonner à Mozo Sala. On se retrouve demain. Au revoir.